Yo bande de Roger! Aujourd'hui on se retrouve sur Snow pour la nouvelle mise à jour tant attendue dénommée M4 avec son lot de nouveautés. Et donc on va voir ça. Je suis impatient de vous le présenter surtout parce que moi j'ai déjà un peu joué. Donc au programme, bon déjà on va refaire une petite beauté à ce monsieur là. Pendant que je regarde si le test son est plutôt pas mal. Voilà, j'ai un tout petit peu baissé pour moi hein, au niveau de vous, ça devrait aller tranquillement. Oui, parce que maintenant il y a du son. Et ouais les mecs, il y a du son. Ce qui est assez extraordinaire. Donc, alors, oula, attendez voir. Donc j'ai la manette de brancher. Ce qui va pas forcément m'intéresser. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire, un style complètement what-what? Allez, tiens, hop. On va changer un peu la couleur. Tac, je fais ça rapidement hein, à l'arrache. Allez, celles-là, elles sont stylées. Les lunettes, qu'est-ce qu'on met? Allez, va pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non. Celui-là? Ouais, celui-là, il est mieux. Ah, j'aime bien le haut de forme. Hein. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a que... Oh non, ouais. Ok, il y a des trucs beaucoup mieux. Genre ça, c'est épique ça. Donc comme ça, ça vous montre un peu les nouveautés. Hein. Il y a des jolies casquettes aussi. Ça, c'est plutôt cool de ce côté-là. J'aime bien ce casque. Si ce n'est que... En fait, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon casque en réalité. Donc je vais le prendre là, parce qu'il ressemble beaucoup, ouais. Enfin, ouais, sauf qu'il est un peu plus noir. Donc, les casques, c'est bon. Alors. Oula. Comment on fait quand on n'a pas la souris? Je sais pas. Replace me. D'accord. Ouais. T'as quoi d'autre comme coloris? D'accord. C'est stylé, ça. J'aime bien ce style. Et ben, on va se mettre comme ça. On va juste regarder. Bon, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de nouveautés hein, de ce côté. C'est quoi ça? Non, bah c'est juste... Ah, quoi que j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien juste le flocon comme ça. Bon, on va repasser sur ça. Voilà, je l'aime bien. Avec des bâtons complètement... Ah ouais, ouais, on va prendre... Est-ce que... Je sais pas, tiens, ceux-là, ils sont originaux. Ceux-là, ils sont originaux. Hop, des petites chaussures. Easy les chaussures. Et les skis, on va prendre mes préférés. Voilà. Mes skis préférés. Ouais, on va prendre ceux-là. Allez. Voir ceux-là. Ouais, c'est juste de bronze. Ok. Alors, est-ce qu'on a moyen de choisir... ouais, non, les skis, c'est fait. Les pantalons. Alors, bon, pas beaucoup de nouveautés non plus. Alors, j'aimerais un truc plus orange ou blanc, si possible. Carrément. Ou bleu. Non. Vous avez pas bleu? Bon. On va pas gagner le concours du prix de beauté, mais ça devrait le faire. Ouais. Alors... De ce côté-là, est-ce que possible d'avoir un truc plutôt orange ou plutôt blanc? Non. Ah. On veut mettre l'écharpe du... Ouais, ouais, l'écharpe du swag. Il faut mettre l'écharpe du swag. Ouais, sinon ça ne marche pas. Sinon, c'est incorrect. Ah, quoique, il y a d'autres trucs, hein. Non, on va garder l'écharpe du swag quand même. Voilà, l'écharpe du swag. Et là, je pense... Là, ouais, on va peut-être modifier un peu le casque. Alors, tac. Blanc, fort. Ouais, pas super joli. Bon, vous savez quoi, même si j'aime pas ça, je crois qu'on va lui mettre une casquette. Oula. Non, mais la taille de la casquette, quoi. Non ? C'est normal? Bon, d'accord. Je me tais. Oh, vous savez quoi, ça ira... Non, c'est très moche, en fait. Ah, c'est horrible. Bon, allez, go.
On y va, sinon je vais faire de la merde. Alors, on va regarder au niveau des options graphiques. Bon, alors attends, je vais baisser ça, sinon ça passera jamais. La vidéo sera pas vraiment haute en qualité. Qualité FPS. Mais j'ai envie que vous ayez un beau rendu visuel. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc, dans Together, on peut hoster un lobby ou Fine, bah, j'ai pas compris vraiment comment ça marche. Donc, vous pouvez inviter des gens si vous en connaissez. Et je pense que ça doit marcher avec Hamachi ou. Avec. Alors, je peux pas revenir au menu, je vais devoir ouvrir une session. Donc, soit par Hamachi et sûrement en LAN. Enfin, pas sûrement, en LAN. C'est sûr que ça marche. Donc, en LAN, tous dans la même maison, hein, si vous voulez simplifier. Alors, je vais pas rester là-dessus, je vais. Quoique, c'est pareil en fait. Oula. Excusez-moi, je fais de la merde. Je sais même pas si ça filme. Ah mais je veux sortir de Steam. Allô? D'accord. Ok, je reprends quand on est en solo. Donc voilà. On va se lancer sur Cialia pour alors tester cette petite nouveauté que pendant le chargement je vais les énumérer si je arrive à peu près à mon souvenir. Donc une amélioration du CryEngine, c'est-à-dire le moteur graphique du bousin. Qui est pas forcément, je sais pas si vous la verrez, hein, de toute façon c'est un peu abstrait quand même. Oula. Ensuite, une amélioration. Oula, de la vélocité, il paraît. des skis. Je sais plus pourquoi. Oula. Voilà, donc des skis. On a, bon, bien sûr, les sons qui étaient pas là avant. Les musiques qui sont. Pour moi, ou la merde, qui sont pour moi pas forcément essentiels. D'ailleurs, on va changer parce qu'avec F6, voilà. Bon, alors j'ai fait disparaître mon curseur vidéo. J'espère que je vais le retrouver. Attendez, ouais, c'est bon. D'accord, en fait, j'ai juste stoppé. Est-ce que j'ai moyen de changer? Voilà. Alors, donc là, on se retrouve dans le snowpark qui est une zone assez connue pour les gens qui ont pu tester les autres bêtas. Qui a été beaucoup modifié, amélioré, hein, pour faire simple. Donc bon là je fais pas grand chose parce que je parle en même temps, hein, mais voilà quoi. Donc le grind qui a été vraiment amélioré, donc le grind pour ceux qui savent pas c'est tout ce qui est barrière, tout ça. Si je dis pas de bêtises parce qu'il y a une différence entre slider et grinder. Il me semble que grind c'est sur un objet et slider ça doit être sur un truc naturel, ou je sais plus un truc comme ça, il y a une différence. Donc apparemment il y a eu des modifications au niveau des grabs, au niveau de l'adaptation si vous êtes chanceux de... What? De l'Oculus VR. Donc l'Oculus Rift, hein. De quoi si vous êtes chanceux et que vous en avez un, bah allez-y, hein. J'ai juste à vous dire ça parce que c'est un peu énorme quand même ce jeu. Enfin après faut avoir un PC qui le fasse tourner, hein, parce que il est quand même assez bouffe, bouffe performance. Enfin... Vous m'aurez compris. C'est vrai que j'essaye 2-3 trucs. Hein. Donc ce tronçon là qui est nouveau d'ailleurs, ce petit bout là, cette espèce de chose. Hop. Ça c'était plutôt joli. Voilà. Et on va couper comme des enfoirés. Oula non. Alors, quand même à décréter des bugs de traces, comme vous voyez à peu près là. Hein, je vous montre, voilà. Des bugs de traces, des bugs de poussière, des bugs de collision. Alors pas mal de bugs quand même, hein, déplorés. Oula, alors là la qualité est vraiment pas génial, génial. Vous aurez, ouais, vous aurez pas quelque chose de génial à ce moment-là. Je verrai s'il y a moyen de baisser les graphismes. En tout cas, si vous voulez une vidéo de qualité, je vous en ferai une peut-être en comment ça s'appelle? En 900. Oula. Oh là 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 là. Là c'était l'improbabilité d'un homme. What? Bon bah ça y est. De quoi je vous en ferai une peut-être en... Oula. Attendez, on va le débugger. Hop. Voilà. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Donc voilà, donc cette nouvelle zone qui s'appelle... Alors c'est marqué en bas à droite. Eastwater Quarry. Alors j'essaye en même temps de regarder et de lire. De jouer!
Ok. Sur les barbelés, vas-y que je t'envoie sur des pics. Avec nos vieux skis en bois stylés. Hop. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Hein. Si, enfant, il y a donc un peu cette zone. Je vais vous essayer de bouger la caméra. Pourquoi j'ai fait ça? Ok. Donc, cette zone un peu champ. Oula. Je viens de faire un backflip sur place, oui. Donc, un peu en chantier, hein, si on peut dire. Si on peut dire. Et je fais n'importe quoi là. Ça doit être dégueulasse à voir ça. Donc, ce bug qu'on retrouve pas mal, c'est que des fois, quand on arrive en bord d'une falaise, il ne saute pas. Des fois, il reste à coller à la piste. Donc, vous descendez à la verticale. Donc là, bon, là, ça l'a presque fait. Mais donc, c'est assez désagréable ça pour l'instant. J'espère qu'ils vont le corriger. Il y a eu 2-3 correctifs dans la journée, je crois. Donc, ils sont au taquet. Vous pouvez pas mal parler avec eux dans le Steam, dans les discussions Steam sur la mise à jour. Donc l'effet de glace qui est toujours énorme, je trouve. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais je trouve l'effet que complètement énorme en fait. Bien que le jeu soit pas au maximum graphique. Hein. Donc des bouts de rail, hein, on se demande ce qu'ils ont voulu faire là. Un truc qui doit pas être fini. Alors, est-ce que c'est un saut ça? Oui, c'est un saut, putain. Oula, non, pas du tout. Voici. Ok. Je crois que je suis pas censé aller là en fait. Et là, je sais pas si ça va être très intéressant parce qu'il y a quand même pas beaucoup de décors. Hop. Bon, y a des choses encore à faire au niveau de la vitesse, hein. Vous voyez que c'est quand même pas mal abusé. Je sais pas s'ils travailleront plus que ça, l'effet poudreuse, hein, qui est normalement réel, donc ça veut dire que. Normalement, c'est pas tout lisse comme ça, hein. Vous en chiez quand vous skiez dans une poudre pareille là. Donc, on va essayer de jeter un coup d'œil histoire de voir s'il y a des choses intéressantes. Ah, il y a cette cascade de glace là qu'il faut qu'on fasse. Donc, cette zone s'appelle. Bah, c'est toujours la même. Alors, attendez, on va essayer de remonter. Oui, c'est du cheat hein, ce que je fais. Au cas où. Oula, là, ça doit être dégueulasse. Voilà, donc elle commence à peu près là. Je crois que T c'est pour mettre. Ouh là là. Ouh là là. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu un petit bug. Ouh là. Attendez, attendez, attendez. Je crois que j'ai repris. Ouais, j'ai repris. C'est plutôt cool. Alors, ouh là là là. Oh, il y a ça. Oh, comme ça glisse. Ah. Oh, c'est chaud. Hein. Donc voilà, on est repris, hein, c'est un bug CryEngine, je crois. J'ai eu un espèce de petit message d'erreur, donc voilà, vous savez tout. Je vais quand même regarder le rendu que ça fait, parce que là ça rame, mais ça ramasse, hein, là c'est. Ça a beau être joli, ça rame. Putain, allez, alors ça a beau pas être réaliste, je trouve ça hyper stylé de faire des cascades de glace comme ça. Parce que oui, normalement l'eau elle reste pas figée des fois, autant. Enfin, pas. Aussi ouais elle fait pas ça quoi, vous m'aurez compris. Wouah pu ça passe là? Ouais ça passe. En tout cas je trouve l'idée vachement stylée. Cette vidéo va être probablement être longue. Donc qui dit longue dit peut-être deux morceaux hein, parce que sinon l'attention des gens qui regardent enfin des viewers va être un peu délaissée. Donc peut-être 2 fois 20 minutes. Je verrai comment je débrouille ça. Alors, il y avait. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, avec le bouton C, maintenant, vous pouvez faire des petits. des petits. Oula, oula, oula. Des petites animations. Je sais pas, je connais pas tout, ouais. Donc, voilà. Hein. Je sais pas si vous pouvez faire ça en figure. Ce qui peut être assez drôle, quand même. Je testerai tout à l'heure si on a un saut. Bah, là, il y en a un, mais. Oula, oula. En tout cas, j'adore ces passages de glace là. On va rester sur la glace un petit moment. Et après, on va se mettre en haut d'une piste et je vais essayer à la manette. Parce que je préfère jouer au clavier. Enfin, oula mince. Quand j'avais essayé à la manette, c'était pas très bien optimisé. C'est justement pour ça qu'on va voir si c'est mieux. Sinon, parlons des sons. Moi, ça va, j'aime bien. Enfin, c'est assez simple, hein, bien sûr. En même temps, on peut se demander combien de sons il faut pour faire des animations de ski, mais. Donc c'est simple, c'est assez clair. Bon, le son est pas énorme, énorme, enfin c'est pas de la énorme qualité, mais
Mais c'est quand même pas mal. Oula. Oui. Ah, ça faudrait qu'il retape, hein, parce que c'est un peu bizarre l'effet de. L'effet de. D'ailleurs, on entend le bruit de la cascade. Hein. Ça, c'est quand même un peu abusé, ça. Oulala. Voilà. Ok, j'ai rien compris. Et donc, du coup, alors, attendez, je repars en volant. Hein. Donc là, on arrive sur un espèce de lac de glace. Ouais, un lac. Oula, pardon. Un lac de glace que je viens de traverser là. Donc, et après là, on sort de la map. Donc, on va pas s'y intéresser à d'en avoir monté. Donc, là, il y a quand même donc toute la carrière là. Vous voyez, c'est assez énorme hein, ce qu'ils ont fait. Oula, alors là, on est sorti de la map. Donc, alors oui, alors on va essayer la manette. Alors, oula, Michel? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu spawn? Ah voilà. Alors, gauche, droite pour la direction. Ok, A pour sauter. B. B, on dirait du. Pour faire des virages rapides. Ok, X c'est le chousse ou avancer. Triangle c'est pour faire les demi-tours, je crois, non? C'est pas ça? Ouais, ça doit être ça. La trace dégueulasse que j'ai fait là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bumper droit, appuyer rien. Bumper gauche. Ah, c'est les espèces d'animation. Sinon ça. Ah, sinon ouais, c'est les grabs. R1 non, L1 non. Oula, une patinoire. Alors on va tester un saut. Ça va, c'est assez maniable. Faut voir maintenant. Est-ce que c'est toujours le Lincoln? Ouais, c'est toujours le. D'accord. C'est toujours le Lincoln. Ah merde, désolé d'être parti en haut. Alors L2, R2, je sais pas à quoi ils servent. On va essayer de se trouver un petit saut pour voir si ça fait quelque chose. D'accord, c'est les grappes droit et gauche. Oula, what? C'était quoi ce grab? D'accord, ça c'est un grab qu'on ne peut pas faire en. Au clavier, je crois. Hein. Attendez, on va se mettre un peu en l'air pour tester les grabs. La merde. Je crois que je suis sorti de la limite de map en hauteur. Non! J'essaie de le. Non mais. Déconne pas! D'habitude, tu le fais. Voilà, alors. Donc. Ah ouais, donc maintenant on peut faire des trucs assez stylés, hein. Que j'avais pas vu avant. Ouais, donc. Ah ouais, il y a vraiment un contrôle avec les joysticks quand même du. Des grabs. Bah tiens, on va partir de là pendant qu'on y est. Donc, et, alors, soit je connais pas encore les touches sur. Oula, merde, merde, merde. Aïe, merde. Soit je connais pas encore les touches sur PC. Soit c'est un truc qui a pas encore été. Attendez, par contre, là je sais qu'on peut faire quelque chose de sympa. Oula, voilà. On va s'arrêter 2 minutes. On va avancer le temps. Alors là, ça va bugger à mort, les enfants. Ouais. Ok, parce que je sais que c'est éclairé ici. Voilà. Voilà, c'est plutôt sympa. Oula, voilà, vous voyez le bug là? Si je saute pas, il revient au sol des fois. C'est vachement pénible, ça c'est un des gros bugs que j'espère qu'ils vont corriger. Alors sinon dans les gros bugs complètement absurdes, des fois quand vous arrivez en face d'un. Oula. Suivant certains murs. Bon je vais arrêter de recommencer d'ici parce qu'à chaque fois je reviens. Sur certains murs vous rebondissez, vous repartez en arrière, c'est très bizarre. Donc voilà, dans ce genre de bug. Alors par contre ici c'est pas éclairé, donc on va essayer de. D'avancer le temps encore. À l'aube ça va être joli je pense. Désolé pour le bug. Ça va vous faire bugger à mort. On va se prendre ça. Hop. Ah. On met à l'aube. Ah, comme ça c'est stylé. Allez, go. Ouais, comme ça c'est classe. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Bah, on va skier un petit peu hein, pour voir les bouts de map. Hein. Alors, ouais, cette espèce de bug jaune hein, que vous pouvez voir. Je sais pas si vous l'avez vu du coup. Qu'un bug de poussière, à mon avis, c'est lié à la luminosité, hein, point de vue programmation.
Ça doit être un des reflets du soleil qui est mal géré. Enfin, c'est mon avis, hein. Comment on fait pour ralentir par contre avec la manette? Oula. Parce que ça va. Vous voyez là les espèces de collisions absurdes? Normalement, vous faites ça, vous êtes défoncé là. Hein. Enfin, tu cherches pas. Là. Alors attends. Donc, comment on fait pour ralentir? Non, c'est pas ça. Non, L1, non, L2, non, R2, non. Non, joystick, non. Oui, aïe, aïe, aïe. C'est Y? Rond. Ah non, oui, c'est rond, d'accord, ok. D'accord, je suis juste nul. Voilà, on est reparti. C'est pour savoir, parce que des fois, quand ça va trop vite, c'est un peu pénible. Oula, oula, ouah! Donc ouais, ces espèces de chemins dont je suis pas fan non plus pour l'instant, qui sont un peu trop simples, on va dire. Pouah, le ouais, elle est trop bien cette zone. On va ralentir un peu là. Oui, putain, je me suis éclaté. On va partir à gauche cette fois. Oula, ouais, question FPS, ça va pas être du joli. J'espère que ça rendra bien quand même. C'est toute mon envie dedans. Sinon, bah si ceux à qui ça comment ça s'appelle? Ça énerve de voir le jeu en comme ça, pas très fluide. Alors soit vous me demandez, oula, pardon, aïe, 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 aïe. Soit vous demandez de baisser les graphismes et de faire une vidéo en 1080. Soit, attendez. Soit je réduis la résolution et vous avez une qualité fluide. J'aimerais avancer s'il vous plaît. Attendez, je lâche la manette 2 minutes. Et je reviens. D'accord. Ah, attendez, petite coupure.